t'entends ça? Ça c'est un truc de malade. Salut tout le monde, c'est Jolat et bienvenue dans les entrailles de la peur. Aujourd'hui, je reprends Obscuritas. Oh putain, et puis je peux te dire que je suis pas rassuré, c'est un truc de malade. Est-ce qu'il y a de la lumière au moins? Putain, il y a même pas de lumière quoi. Oh les bruits de malade. Souvenez-vous, la dernière fois on s'était arrêté ici. Et alors, je vous assure qu'il y a une ombre là-bas au fond sur le mur. Alors, j'ai regardé au rendu de la vidéo. Putain, on voit pas l'ombre. Je vous assure que je la vois super bien. Putain, si seulement je pouvais bien vous la montrer. Parce que c'est vrai qu'au rendu de la vidéo, ça paraît. Regardez. Je sais pas si vous allez la voir. J'essaierai de faire en sorte que vous puissiez la voir. Regardez, elle est contre le mur là-bas. Une silhouette. Je vais allumer ça. Je sais pas si vous la voyez bien. Et puis si j'allume ma torche, bien sûr, elle a disparu. Et elle réapparaît. Hein? Ouh putain, c'est quoi ça? Merde. Putain de téléphone de merde, regardez, il y a l'ombre là, elle est juste là. Elle est là, là je pense que vous la voyez bien quand même. Non? Regardez. De merde. On va y avancer tranquillement. Ouh, donne-moi ça. Merci. Ça, on va allumer ça tranquillement. Ouh, ça me paraît super bizarre. Un cul-de-sac comme ça. Ça me paraît très très bizarre, très étrange. Oh putain. Regardez. Regardez, elle est là, elle se dessine quand je m'éloigne. C'est un truc de malade hein. Par contre Y aurait-il pas du foutage de gueule dans l'air? Non, je suis pas fou, il y avait un tableau ici tout à l'heure. À la place d'une porte. Oh putain, il y a des diamants, ok. Tranquillement, lumière s'il vous plaît. Impeccable. Je peux vous dire que je suis pas forcément très rassuré. Salut toi. Salut salut. Ouais, je suis pas forcément très rassuré parce que je tourne cette vidéo. Je suis tout seul chez moi. Il est 4h30 du matin, presque 5h. Et je parle pas bien sûr. Et bien sûr, je parle pas de l'heure dans le jeu. Je parle de la vraie heure. Une clé. Donne-moi ça. Yes. Ok, donc je pense que. Vous me donnez pas les diamants, vous? Non, toi par contre. Toi tu vas me casser la tête. Ok. Tranquillement. Est-ce qu'il y a de la lumière ici? Ah bah ouais, ça se fait bien plaisir. Ça c'est cool. Des piles. J'ai déjà des piles de rechange? Ok, d'accord. Bon, très bien. On va les laisser là. De toute façon, je pense que par la suite, même si je laisse les piles ici. Repasser. Je crois que c'était Yanis. Je crois que c'était Yanis qui m'avait dit dans les commentaires. Il m'avait dit la voix dit Sherry. Je vais essayer de me concentrer sur sur ça. Du coup, ça peut effectivement faire moins peur. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Très bien. D'accord, j'ai une clé, j'ai une bougie, super. Ouais, c'est un petit peu plus chaleureux déjà ici. Oh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire dans la cheminée? Donc du coup, ça faisait un petit moment que j'avais pas redémarré Obscuritas. Et ben là, vous voyez, j'avais envie d'y jouer. Putain de merde, attends, ce serait pas comme dans le monde de Narnia là, il n'y a pas une armoire? Non. Il n'y a pas un truc qui... Non. Ok, d'accord. Bon, très bien. Je me casse. Très bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne fais que passer. Putain de téléphone. Ok, d'accord. Ouais,
Bon bah la silhouette maintenant. Il doit bah servir à quelque chose ce diamant. Je sais. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent littéralement de ma gueule. Il n'y avait pas une porte ici tout à l'heure. Il y avait un tableau. C'est la deuxième fois qu'ils me font le coup. Oh putain, salut toi là-bas. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Y aurait-il pas de la lumière des fois par ici, s'il vous plaît? Ça, ok. Putain, il y a beaucoup de diamants. Il a dit chérie. Il a dit chéri. Voilà. Ah bah voilà. Appuyez sur E pour ramasser le cristal. Mais non, pourquoi je le ramasserai? Voyons voir. J'ai aucune raison. Non? Putain, il y avait des pas. Il y avait des pas. Et c'était pas les miens. On dirait que le mécanisme au-dessus de la porte la bloque. Elle m'a fait peur. Ah ouais? D'accord. Et si je prenais ça par exemple et que je le mettais, admettons là, que j'enlevais celui-là et que je le mettais là. Je vois. Je vois. Ça va effectivement être un casse-tête. Et si je le mets là. Ce délire! Putain! D'accord. Donc je suppose que mon petit diamant là, faut qu'il rayonne. Quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part là-bas. Je pense. Quelque part. Par ici. Non? Ah bah tiens, regarde, ça y est, j'ai trouvé. Non, pas ça. On va peut-être le mettre là. Ah mais attends, c'est peut-être celui-là qu'il faut poser. Parce que regardez, c'est pas le même. Hein? Voilà, regarde. Celui-là, admettons, il fait ça. Il a un rayon. Donc ça, ça sert à rien. Absolument rien du tout. Je comprends absolument rien. C'est en train de me casser la tête. Je comprends rien là. Attends. Faut faire quoi là? Tais-toi donc. Il est chelou ce jeu. C'est très étrange mon vieux. Oh bah y'a peut-être un indice avec ces tableaux là, non? Ah, clic gauche et clic droit pour le tourner. Ah bah putain, bah fallait le dire. D'accord, comment que j'ai galéré avec ça. Ah bah voilà. Attends. Très bien, très bien. Ça commence littéralement à me faire chier en restant poli. Ah ah. Hein? Alors, et celle-là? Ta gueule. Attends. Ça use. Tiens, il y a une mouche sur mon écran. Sauf que j'ai l'impression que c'est dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Ah! Ouh, j'en ai allumé un! Excellent! Trop fort! Et si j'en mettais un là maintenant? Hein? J'ai gagné là, ça y est? Attends, j'ai presque gagné là, je pense. Ah! Voilà. Très bien. Il faudrait donc que j'en pose un ici. Saloperie, va. Il faudrait donc que j'en pose un ici. Mais le truc,
fallait en chercher d'autres, des diamants. Il y en avait dans la pièce. Oh putain, elle a pas bougé, elle, là-bas. J'ai dû halluciner. Putain, comment ça m'a foutu les boules. Saloperie de téléphone. Il y avait des diamants ici. Voilà. Donne-moi ça. Est-ce que je peux pas en prendre deux d'un coup? Ah non, putain, c'est dommage. Va falloir que je les ramène à part. Hein. Allez, dégage, toi. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire encore le coup du téléphone qui va sonner? Tiens, vas-y, viens ici. Délire, mon vieux! C'était quoi, ça? J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus omniprésente, cette voix de démon, là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des allers-retours pour amener mon diamant. Ça va être bien cool. Quoi? Attends. Tu vas me faire croire que elle, là-bas, elle était pas là tout à l'heure? Tu vas me faire croire qu'elle a pas bougé? Tu vas me faire croire que toi, t'étais pas assis là il y a deux secondes là? Je vous jure qu'elle a bougé. Je vous jure qu'elle a bougé. Vous mettrez la vidéo en... C'est délire. Vous mettrez la vidéo en arrière si vous voulez. En tout cas, elle, elle était assise sur ce canapé là. Ça c'est sûr et certain. Je vais rechercher des diamants, j'arrive, t'inquiète. Bouge pas. Putain, y a... regardez, il y a encore une mouche. Tout à l'heure, il y a un truc qui va me sauter sur la gueule, mon vieux. Je vais moins faire le malin. Vas-y. Je vais aller là-dedans. Il y avait pas des diamants ici? Ah bah si, voilà. Allez, donne-moi le, ça là. Et puis on est parti. Ok, parfait. Le coup du téléphone. Non, même pas. C'est bon. Je raconte des conneries ou je raconte pas de conneries? Alors, est-ce que je raconte des conneries ou est-ce que je raconte pas? Regardez. Je vous avais dit. Elle fait que de changer de canapé depuis tout à l'heure, celle-là. Cette sale... Cette saloperie. Attends, comment on va faire, là? Oh, le délire, mon vieux. Ça, c'est le truc qui va me prendre 10 ans à comprendre, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, tourne. Ah! Ok! Très bien! Putain, le bordel que c'est, je vous raconte même pas la galère! Il m'en reste un à trouver. Ah 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 ah! Ok. 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 Oh la galère que c'était pas! Je vous raconte même pas. Attends, parce que je dis ça, mais il y a encore une. Non. Ok, je croyais qu'il y en avait une autre. Ah, très bien! Putain, on peut enfin avancer, quoi. Donne-moi ça maintenant. Lumière, s'il vous plaît. Bien sûr, il n'y a pas de lumière. Normal. Regardez comment que c'est glauque. Regardez! Vous allez pas me dire que celle-là, vous la voyez pas quand même. Autant l'autre, je veux bien, mais celle-là. Regardez comment que c'est glauque, on dirait une fille avec une poupée. Regardez ça quand même, c'est pas glauque ça? Hein? Regardez là. C'était quoi ce bruit? Je pense que on va d'abord se jeter par ici. On va d'abord aller par là. Bonsoir. Fait les bruitages, l'ambiance et tout, avec l'horloge qui résonne et tout. Ça, donne-moi ça. Comme ça. D'accord. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de casse-tête. Ok.
Très bien. Y a pas un truc avec Oh, c'est quoi ça? Y a pas un truc qui s'est ouvert? D'accord, très bien. Bon, ça a l'air assez vite par là. On va continuer de l'autre côté. Toi, dégage. Tiens, je vais allumer ça. On va allumer les bougies là. Donc surtout comme d'hab, n'hésitez pas à monter le son. Hein. Je vous le dis un peu tard, mais vous vous doutez bien. Votre partie a été sauvegardée. Bah tu m'étonnes, il était temps, j'ai envie de dire. C'est glauque par contre par ici. C'est vachement, vachement glauque. Regardez la silhouette là. Regardez, vous la voyez ? C'est glauque, c'est délire. Vas-y, vas-y, allume ça. Allez. Quoi? Merde, j'ai plus. Wouah! Voilà, crise cardiaque. Désolé vraiment pour ce cri. Ma voisine, elle a dû péter un câble. Il est plus de 5h du matin. Désolé, désolé. Oh là là, comment que... Putain de merde! Donne-moi ça. La vache! Oh! Excellent! On est un peu dans une véranda, un peu dehors. Délire. Oh, une toile d'araignée, ça. D'accord. Putain, il y a un truc dans les herbes là qui court. Oh, comment ça m'a fait flipper le truc avec l'herbe là. Je sais pas, ça fait un truc bizarre. Ah non, c'est les reflets sur la véranda. Putain, ça c'est le bruit de l'épouvantail. Je m'en souviens. Dans Pinkview Drive. Oh, c'est un vrai putain. Merde, j'en ai carrément fait tomber mon décor blanc. C'est délire. Je le remets. Oh le délire, faut que j'arrête de faire la flippette moi. Putain, c'est un vrai. Comment qu'ils sont bien faits? Le délire! Je me casse! What the fuck? Game over? C'est la première fois que je perds dans Obscuritas. What the fuck? What? Bon, très bien les gens, on va s'arrêter ici pour cet épisode d'Obscuritas parce que là je crois que j'en ai pris pas mal. En tout cas, si vous avez envie que cette série continue sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. En attendant, moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao tout le monde, bye.